Ses mains, c'est ce que tu as de plus précieux. Ce sont elles qui te permettront d'accomplir ce pourquoi tu es fait, la musique. Je suis directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez? Venez me voir au conservatoire, d'accord? On sera plus au calme. Il y a un bon plan, ça t'intéresse ou pas? Police! Mathieu, elle est condamnée! 6 mois de travail d'intérêt général pour M. Malinsky. Je sais pas comment vous remercier, M. Gettner. Si Mathieu ne se présente pas, il sera sanctionné par une peine supplémentaire. Le concours international de piano, qui a lieu dans quelques mois. Vu le contexte, le choix cette année est capital. Cela fait 3 ans qu'aucun de nos élèves n'a remporté ce prix. Demain, rendez-vous au grand auditorium à 6 heures précises. Alors, c'était une bonne idée de nos amis anglais. This was a great idea from our British friends who started putting pianos in train stations since there were so many train delays in England, so people could play as they waited. And in France, they did the same thing, and in almost all train stations throughout the country, you will find a piano at the disposal of the public. And it's great because all of a sudden, there are people that have never met before and will probably never meet again that start playing together or sing with somebody playing the piano or simply listen to the player giving us exquisite moments that are a pleasure to witness. There are a lot of young people who do not have access to that musical culture and to the conservatory because they are not told that the music conservatory is accessible to all. In France, we are truly blessed. We have music conservatories in Paris, several in every arrondissement, but also in every province. In every town, there is a music conservatory. Most of them are open to all and free, subsidized by the state. But someone needs to show you the way, to open that door and make you realize that you can become a pianist, a violinist, or whatnot. If there is no one around you to show you the way, it's much harder to take that road. That is what I wanted to show in the movie. Donc c'est ça aussi que je voulais mettre en avant dans le film. Asseyez-vous. Vous allez prendre des cours de piano avec la comtesse. La comtesse est la meilleure. Domi sol. C'est une grande chance que nous vous donnons. Vous allez vous retrouver en prison, Malinsky. C'est vrai, tu joues du piano, Matt? Je ne passerai pas ce concours, ok? C'est toi qui as été choisi? Ouais, c'est un plan de merde. Tu te rends pas compte? C'est le grand prix d'excellence, tous les grands pianistes ont commencé comme ça. Et voici votre nouvelle salle de cours. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mezzo forte, oui. Diminuendo et piano a tempo. Et ça vous inspire quoi? Des capsules de café. Jules ne jouait pas du tout de piano, donc... Jules, my actor, did not play the piano at all. So it took a lot of work for him. He practiced 3 to 4 hours a day for over 4 months to learn all the pieces we hear in the movie. It's not him we hear playing, of course. It wouldn't be perfect, I'm afraid. But he has the posture, the gestures of a musician. He knows when emotions will come, when you should express happiness or sadness, when one should breathe with the instruments. All those things he learned over those 4 months. It was the same thing for Kristin Scott Thomas, who plays the piano in the film. She took piano lessons regularly over 2 months. And it's very difficult when you're not a musician, and I am not a musician at all, and I can't even read sheet music, to take over an instrument and feel legitimate about it. Et de se sentir légitime. Le concours aura lieu dans un peu plus de 4 mois. Alors s'il vous plaît, mettez-vous au travail, vraiment. Ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est la musique. C'est ce qui nous relie tous. Vous jouez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous jouez parce que c'est vital. Vous avez la musique en vous. C'est merveilleux d'être ici à Los Angeles, quand même, le temple. It's wonderful to be here in Los Angeles, the temple of filmmaking. The film is being shown to students from different schools, so the theater is packed and the audience is very enthusiastic. So it's a real pleasure. But it's always a pleasure to travel with a movie, wherever you go. And it's a strong feeling to be in a theater and share the emotions of your audience. De ressentir en fait l'émotion que ressentent les gens quand on est dans la salle.